Culture. Linda Tamdalaï, bonjour. Bonjour. Comment bonjour on attaque la semaine, en forme, toujours. Avec un coup de cœur ce matin, Hakim. Alors, on est impatient. Un coup de cœur. D'en savoir plus. Ce sera vraiment le coup de cœur de ce début de semaine avec ce bel espace, un espace très très intéressant, monté aussi par la wilaya d'Alger et notamment au niveau métro d'Alger, place des Martyrs. Les Martyrs, ouais. Vous avez un espace formidable que peu de personnes connaissent. Enfin, j'espère que vous allez en profiter pendant cette saison estivale puisqu'on déambule beaucoup, on se déplace beaucoup. Vous avez. Et c'est pratique. Très dans le métro, on descend à peine et on est voilà, dans cet espace. On est dans cet espace, c'est une salle de projection où vous pouvez donc en 4-5 minutes découvrir El Jazeera, notamment la Casbah d'Alger, la Médina d'Alger. Vous avez donc cette projection en 3D, vous allez découvrir comment était Alger le siècle passé. C'est vraiment une très très belle initiative lancée par la direction du métro d'Alger et bien sûr avec l'initiative également de la wilaya d'Alger, vous pouvez retrouver donc toute cette ambiance algéroise et comment était Alger, comment était conçu Alger, notamment ce qu'on appelle la basse Casbah et tout ce qui tourne autour. Ça change des photos figées, voilà, des images. Là, c'est animé, c'est vivant. Complètement. Et puis vous avez un espace juste à côté où vous pouvez être muni de lunettes. Hein, donc, où vous allez. Pour une immersion. En immersion complète avec l'histoire d'El Jazeera. Et c'est vraiment un espace très très intéressant à découvrir. C'est quelques minutes, ouais. Hein, simplement. Mais c'est une belle expérience. C'est vraiment, vous sortez autre, différent. Meilleur, j'imagine. Certainement, et enrichi. Donc voilà, vraiment, c'était mon coup de cœur ce matin, en ce début de semaine. Par rapport à cette station de métro Place des Martyrs, et puis vous avez aussi notamment cet espace au niveau de c'est comme une véritable projection, l'histoire, surtout pour de ressortissants algériens qui vivent ailleurs et qui souhaiteraient connaître un peu plus El Jazeera et notamment la Casbah d'Alger. Merci pour cette invitation, ce coup de cœur, Linda Tamdalaï. À demain.